Salle de réunion archi-comble au ministère ce 4 juillet. Tous les acteurs administratifs du Ballon-Rhin étaient présents ou presque. Et pour cause, la réintégration des clubs de première division au congrès. Du président de la fédération de la Fégafoot au vice-président des associations des clubs en passant par le ministre des tutelles, tout le monde était présent. Trouver les solutions à la crise qui prévaut dans la famille football était à l'ordre du jour. Les parties en crise ont finalement fumé le calumet de la paix grâce à l'arbitrage et au management du ministre Séraphin Moundounga qui a foi au déroulement des activités professionnelles et s'explique. L'INAF et la Fédération gabonaise de football se sont accordés il y a à peu près maintenant 5 jours sur les grandes lignes de synergie qui doivent être mises en place entre la Fédération gabonaise de football et la LINAF en matière de gestion du football professionnel dans notre pays. Donc le rendez-vous est pris pour la saison qui va débuter en septembre dans le cadre du lancement officiel de ce processus de professionnalisation du football en République gabonaise. En attendant que les choses rentrent dans l'ordre, un congrès extraordinaire est prévu le 14 juillet 2012 pour que le football gabonais se porte au mieux et émet à travers les ondes internationales.